Bienvenue à vos nouvelles du Haut du Lac pour la semaine du 16 juillet 2022. Si vous avez envie de vous dégourdir cet été, ce n'est pas le choix d'activité qui manque, mais si vous n'avez pas encore eu la chance d'essayer le parcours d'entraînement du parc de la Pointe des Pères, ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour pour profiter des différentes stations d'activité offertes. Christine Sauvageau de la ville de Debout-Mistassini nous explique le concept en détail. On se trouve aujourd'hui sur la Pointe des Pères, secteur Pointe des Pères du Parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean où la ville de Debout-Mistassini, en collaboration avec la SGA, a installé il y a quelques années un parcours d'entraînement sur banc. Donc, ce qu'on propose ici, c'est un circuit d'environ 2 km avec 10 stations avec un banc. Ce type de parcours-là est mieux connu sous l'appellation « bench fit ». Dans le fond, chaque station présente un banc qui peut permettre, un, de se reposer, mais sinon, d'effectuer des exercices. Chaque panneau présente deux niveaux d'exercice, donc un niveau plus avancé, un niveau débutant, permettant même à des personnes en moins bonne forme physique, des personnes âgées qui veulent juste s'activer, peut-être même en faisant le parcours en marchant, là, d'utiliser le circuit. La Pointe des Pères a été choisie comme lieu privilégié pour installer ce type de parcours-là parce que c'est déjà un lieu qui est très fréquenté par les marcheurs, par les coureurs, présente à la fois des secteurs plats, des dénivelés. Donc, c'était tout indiqué, là, selon nous, pour ce type de parcours-là. Et ceux qui sont déjà habitués au parcours, en fait, pourraient vouloir bonifier leur trajet d'activité en utilisant l'application TrekFit qui permet de proposer des nouvelles activités ou différents types d'activités ou même de présenter en vidéo les activités qui sont proposées, les exercices qui sont proposés sur les panneaux. Donc, le parcours, comme je l'ai dit tantôt, environ 2 km. Ça a été un investissement de 25 000 $ pour la ville de Debout-Mistassini. Donc, on espère que les citoyens en profitent en grand nombre. Il y a quelques semaines, je vous mentionnais que la microbrasserie Le Coureur des Bois nous réservait encore quelques surprises. Eh bien, je ne vous avais pas menti, puisque une nouvelle collaboration entre la microbrasserie et le bistrot pub de Péribonka a été annoncée la semaine dernière. Écoutez, le bistrot de Péribonka représente beaucoup pour la population, les citoyens, les citoyennes de Péribonka. Depuis 2015 que le bistrot est en opération, opéré de main de maître par notre organisme Tourisme Péribonka. À chaque année, c'est toujours un plaisir renouvelé. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on peut festoyer, où on peut prendre des repas. L'association avec le Coureur des Bois est tout à fait exceptionnelle pour nous. On apprécie beaucoup cette association-là. On espère qu'elle va pouvoir perdurer, mais je suis à même de constater, dès la première semaine, il y a un achalandage qui est intéressant et les produits du Coureur des Bois sont recherchés aussi par les touristes, par la population. Donc, on va retrouver ici une offre alimentaire, mais aussi une qualité de bière de microbrasserie qui, bien sûr, est reconnue et je pense que ça va faire rayonner toute la région. Alors moi, j'invite là, les touristes puis la population de Péribonka de venir profiter, s'imprégner de la belle ambiance qu'il y a ici. Vous voyez, cet après-midi, c'est grouillant de personnes qui... les gens apprécient venir prendre une bière, se retrouver pour échanger et surtout avoir une magnifique vue sur le plan d'eau qui est la rivière Péribonka, bien sûr, à l'embouchure du lac Saint-Jean. Alors, on ne peut que remercier, bien sûr, Tourisme Péribonka, mais aussi le Coureur des Bois qui a bien voulu oser s'associer avec nous. Alors, on souhaite un grand succès à cette nouvelle association. En fait, le partenariat avec le Bistrot Péribonka et pour le Bistrot Péribonka et Tourisme Péribonka, en fait, c'est un partenariat, moi, je le vois quand même assez large. Premièrement, c'est une marque de confiance très grande à notre égard. Je te dirais aussi que c'est de s'ouvrir à l'étranger. L'étranger qui est le Coureur des Bois. Parce que nous, on est Debout, puis on s'immisce, si on veut, dans la vie, dans la vie culturelle et touristique de Péribonka. Donc, tu sais, je l'ai vu comme sur deux fronts. Le premier, c'est vraiment une grande marque de confiance, puis en plus, des gens prêts à s'ouvrir puis à faire appel à une entreprise de l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment généreux, puis ça pouvait pas mal aller avec des gens qui avaient une ouverture d'esprit aussi grande. Mais en fait, nous, on voit ça évidemment comme une opportunité d'affaires. Le touriste, il se déplace à Debout-Mistassini, mais en fait, on va pouvoir l'accompagner de Péribonka à Debout ou de Debout à Péribonka. Souvent, les gens viennent nous voir pour dîner. Mettons, le dimanche, ils venaient nous voir pour dîner, puis ils disent « Ah, c'est plate, je suis obligée de partir en vélo, j'aurais aimé ça rester souper chez vous. » Bien là, on lui dit «
Vous pouvez arrêter au Bistro Pop Péribonka. Vous avez notre menu, vous allez vivre l'ambiance. Puis en prime, vous avez la vue sur l'arrière Péribonka. Puis vous allez vivre une expérience, si on veut, encore plus complète là, de notre territoire. Fait que ça, on trouve ça vraiment intéressant. Plus on va marteler que le coureur des bois fait de la bière, un menu distinctif, travaille avec des collaborateurs locaux parce que notre menu est quand même composé à peut-être plus de 70 % d'ingrédients locaux. Plus on va marteler ça, puis plus les gens vont acquérir cette expertise-là, puis ils vont aussi vouloir l'expérimenter. Fait que nous, notre objectif, c'est ça. C'est de dire, le coureur des bois, c'est nous. On a voyagé, on s'est fait une nouvelle trail, on a ouvert nos horizons. Fait que c'est à vous maintenant là, de nous inclure dans votre quotidien. Mes collaborateurs et moi-même, là, on est vraiment fonceurs, on a le goût. On se plaît pas à notre routine, donc on a toujours le goût d'expérimenter. L'année passée, tu m'aurais dit, est-ce qu'il y a des projets comme ça qui s'en viennent? Je t'aurais dit non. Puis aujourd'hui, si tu me demandes, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui peuvent arriver? C'est sûr que oui. Puis, tu sais, je veux pas qu'on court après, ça arrive comme ça. Ça nous ressemble, ça ressemble aussi à nos partenaires, puis ça peut pas mal aller. Si nos partenaires nous demandent si on est intéressé à continuer, c'est sûr que oui, l'expertise, on la développe. On est en train de travailler avec des gens locaux pour acquérir l'expérience de service, de soutien. Mais c'est sûr que nous, notre intérêt, là, ça serait de continuer si tout va bien, puis... si tout le monde le veut. Ce que vous allez retrouver sur notre menu de Péribonka, c'est une reproduction, pas complète, mais une reproduction presque complète de notre menu du coureur des bois d'Olbeau-Mistassini. Évidemment, on offre les déjeuners, donc les déjeuners à partir de 8 heures à compter d'aujourd'hui. Déjeuner continental avec des produits locaux, des produits qui sont faits maison aussi. On a toutes nos bières qui vont être présentes ici au Bistro Péribonka. On a aussi une carte de cocktail un petit peu réduite, mais quand même assez complète, des cocktails qu'on produit là, à d'Olbeau-Mistassini aussi. Donc, on retrouve une partie de notre menu. Le coureur des bois, en fait, il a déménagé une partie de son bagage. Après ça, on continue de travailler avec Patate Péribonka. En fait, c'était inévitable là, dans notre tête, on ne peut pas servir de patate. Donc, on a un petit menu qui est frit, comme on appelle, avec... Des patates de Péribonka. En fait, quand la proposition nous a été faite, elle venait pas juste avec le contenu puis le contenant. Ça venait aussi avec une liste d'employés. Tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre. Le touriste Péribonka nous ont dit, on a 8 jeunes et moins jeunes, qui sont prêts à travailler pour que ça ouvre. Fait que, tu sais, là, c'était comme inconcevable de dire, on a 8 personnes qui vont traîner ou qui vont aller se faire engager ailleurs, alors qu'on peut les faire travailler pour nous si on a les ressources. Puis nous, c'est ça qu'on a regardé. On s'est assuré d'avoir les ressources. Le Bistro Pop Péribonka fait partie vraiment d'un tout dans notre offre touristique. Vient s'ajouter à ça là, l'offre du camping, la marina, la navette nautique et maintenant la nouvelle crèmerie également. Donc pour nous, ça complète, ça fait la boucle. Quelqu'un qui passe un séjour ici à Péribonka peut profiter de tous ces attraits-là, puis en plus manger une bouchée, ce qui est excellent. D'autant plus qu'on est directement sur le parcours de la véloroute des Bleuets. Donc, on a beaucoup de cyclistes qui arrêtent parce qu'on est stratégiquement positionné entre Alma et d'Olbeau-Mistassini. Donc, c'est un point d'arrêt idéal pour les cyclistes également. Tourisme Péribonka, à la base, est composé d'un comité de 9 administrateurs. Donc, c'est un OBNL. Et puis, lorsqu'on a constaté là, la pénurie de main-d'œuvre qui nous touchait, on s'est assis ensemble et on a mijoté. Et tout de suite, on a pensé à la microbrasserie Le Coureur des Bois pour assurer l'opération du restaurant en période estivale. Donc, nous, Tourisme Péribonka, on agit comme facilitateur dans cette grande aventure. L'objectif est d'offrir le local, d'ouvrir la cuisine. Toutes les installations, les équipements sont offerts à la gang de la microbrasserie. Le Centre plein air de Miski et le CAPS de d'Olbeau-Mistassini ont collaboré afin de mettre sur place une campagne de financement qui profitera aux deux organismes. C'est une course en sentier qui sera organisée le 15 octobre prochain sur le site de Domiski qui permettra d'amasser des fonds. On a toujours eu dans le passé des bons partenariats. On a tenu des courses à obstacles. Ceux qui s'en souviennent de type Bootcamp Race ici même sur le site, c'était un petit peu plus, je dirais, à la mode dans ce temps-là. Maintenant, les modes changent et c'est pour ça qu'on change un petit peu aussi de type d'événement
aujourd'hui, donc qui va se tenir en passant le 15 octobre, excusez-moi, à l'automne, sous le titre ou sous l'appellation « Le coureur des bois ». Pourquoi on a pensé à ça? Bien, parce que oui, on a une belle entreprise locale qui est la microbrasserie Coureur des bois, qui est partenaire avec nous autres, donc on est très heureux, évidemment, qui est embarqué dans notre projet. C'est la première des choses, puis on trouvait que c'est une belle thématique, parce que oui, c'est une activité de course et ça va avoir lieu dans le bois. Donc, ça ne pouvait pas faire mieux de ce côté-là. Donc, ça va avoir lieu ici, évidemment, au centre plein air. Il va y avoir finalement 4 parcours. Le 1 km, on s'entend, c'est plutôt au niveau des jeunes, donc des tout-petits. Enfin ou quoi que ce soit. Il va y avoir le 5 km également. Donc, peut-être admissible un petit peu pour tout le monde, là, les adultes également, parce que c'est de la course en sentier. N'oubliez pas que c'est pas comme de la course dans les rues ou quoi que ce soit. Il y a des dénivelés, il y a aussi... c'est plus dur un petit peu au niveau des chevilles, des articulations, tout ça. On a aussi le parcours du 10 km et du 15 km qu'on demande des 16 ans et plus, justement pour les raisons que je viens d'énumérer tout à l'heure, parce qu'on veut justement éviter des blessures. Il va y avoir évidemment, pour ceux qui sont habitués de faire des courses finalement en sentier, bien, il va y avoir des points de ravitaillement très importants, parce qu'on peut avoir soif à un moment donné, avoir besoin de manger un petit peu. Aussi à l'arrivée, donc, il va y avoir un repas de fourni, puis il va y avoir aussi de la bière de la microbrasserie du Coureur des Bois, notre généreux partenaire. Donc, très important de le souligner de ce côté-là aussi. Donc, c'est ça, ça va commencer à 10 heures, puis les départs vont être à toutes les 30 minutes. Donc, à partir, c'est ça, de 10 heures le 15 octobre. C'est sûr que c'est un maximum de 250 personnes par départ, mais c'est ça, c'est une première édition, puis j'invite tout le monde à se présenter. Parce que c'est admissible pour tous. On s'entend que la course en sentier, c'est l'événement maintenant. C'est vraiment très, très populaire. Pourquoi qu'on est passé de course à obstacle à course en sentier? Parce que c'est vraiment beaucoup plus à la mode. Ça demande beaucoup moins aussi au niveau des infrastructures, parce que c'est bien, le centre plein air ici d'Omiski a toutes les infrastructures déjà. Les inscriptions se font sur le site internet domiski.com. Donc, normalement, depuis aujourd'hui, en fait, il y a une page qui est apparue au nom de la course. Puis, il y a une prévente d'aujourd'hui jusqu'au 15 septembre. On parle de 40 $ pour le 15 km, 30 $ pour le 10 km, 20 $ pour le 5 km et 10 $ pour le 1 km. Évidemment, ça inclut le repas, ça inclut la petite bière, ça inclut les ravitaillements. C'est donc quand même assez clé en main. Après le 15 septembre, donc après la prévente, c'est une augmentation de 10 $ par peu importe la distance. C'est tout pour les nouvelles de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.